La salle multifonction, il faut la découvrir. Ah, ok, ok. Yeah. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Whew. Yes. On est au sec. Alors comment ça marche maintenant? Parce que je me rappelle plus trop. Il faut qu'on crée des panneaux solaires pour l'énergie. Bien ça. Enfin pour l'instant c'est ce que j'ai. Ok. Yeah. Welcome aboard. Power restored. All primary systems online. Power restored. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est quoi? Pompe l'oxygène à partir d'un habitat alimenté vers un réseau de tuyaux connectés. En gros, c'est quoi? C'est pour donner de l'oxygène à un autre habitat qui serait pas alimenté? Je vois pas trop à quoi ça sert ça en fait. C'est genre un tuba si tu veux explorer sans remonter. Ça crée des bulles à la sortie du réseau de tuyaux. Ah. Ok. Ok, on va tester ce système de tuyaux parce que je j'ai jamais testé dans la... Avant que le... dans la bêta ou je sais pas quoi. C'est ouf, tuyau. Ok, là on a 5 tuyaux. Là-bas. T'es sérieux? T'es sérieux? Sans deck? Sans deck. Sans déconner. Ah t'es chez moi là. Tu vas morfler mec hein. Ah de grenier putain tu fais peur. Par contre, t'es vraiment teubé quand même. Hein. Oxygène. Quoi ce bruit? Bon, c'est bon. Ah, on peut faire la combinaison? On va récupérer des vignes. Ça va, on trouve un peu tout ce qu'on a besoin en fait ici. Pour le moment, ça va. J'ai pas besoin d'aller trop loin. Sympathique. Ça fait pas trop peur non plus. Ça va. Enfin, pour le moment, en tout cas. On a le deuxième plomb. C'est bon, on peut faire la truc. La combinaison.
seconds. Ta mère, ok, ça va, super. Je me suis dit, ah tiens, il y a une boîte à aller scanner. Évidemment, il y a un putain de poisson qui passe sous la terre et qui a des grosses dents, évidemment. Mais sinon c'est pas drôle, quoi. Yeah. Classe. Classe, classe. Ça prend beaucoup de place dans l'inventaire. Putain, ça prend deux à chaque fois. Oh la vache. Okay. Parfait. Allez, ramène-toi. Genre, quelle sorte de bestiole c'est, quoi? C'est quoi ça? Son moyen de survie, quoi. C'est le truc qui se fait exploser tout le temps. C'est débile, quoi. C'est tellement con. Faut aussi que je place des armoires. Ah, c'est joli comme ça. Construis, ben voilà, construis des armoires dans ta base, oui. C'est ce que je voulais faire aussi. Non, faut reprendre le truc. Armoire. Pour l'instant, on va faire des petites. Oh putain, par contre, ça, je me rappelle, ça me rendait fou. Parce que il faut que ça soit bien aligné chez moi. Sinon ça me rend fou. Ok. Ah, okay. C'est très très bien. C'est très très bien. On va aller récupérer ce qu'on a là-bas. Okay. Ça marche. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Cool. J'aime bien la voix du mec. Qui s'était coupé. Ok. Eh, viens avec moi, tuyau. Est-ce que les tuyaux peuvent être détruits par les créatures? Je viens avec mon tuyau. Ça fait con. J'arrive avec mon tuyau. Découpeur laser, cool. Ok, cool, cool, cool. Ok. Oh
Putain de merde. Reste cool mec, tu m'as pas vu. Découpeur laser. Ouh! Prendre du sel au passage. Tuyau! Ok, ça se passe, ça se passe. Oh, de l'or, ça c'est cool, il m'en faut de l'or. C'est rare. On va un peu explorer le bas. On va voir un peu. Par contre, on va mettre ça comme ça. Ta gueule. Arrête de faire des bruits comme ça. C'est stressant. Tu vois pas que c'est stressant pour tout le monde? Je mets des tuyaux partout. Oh, c'est quoi ce nuage? Ah, fait chier. Ta mère, oh, il m'a fait peur ce con. Je l'ai pas vu venir. Il est là. Ah bah tiens. Sérieux, tu vas encore t'amuser? Ferme ta gueule. Pourquoi il fait aussi sombre? Pourquoi il fait aussi sombre? Ah, c'est encore le coup du nuage? Ah putain. Sérieux. Oh la vache. Ah. Ok, c'est reparti. Vas-y, viens, 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 viens. En plus, t'es tout contaminé, casse-toi. Oui, va vers ma base, oui, bah tiens, attends, oui, pourquoi pas. Attends, je te scanne. Non, non, je te scanne après alors. Sushi. Viens ici, Sushi. C'est beaucoup mieux avec la réserve d'oxygène. La grosse. Maintenant, je peux pas. Lui, je peux pas le laisser se balader parce que bon, il est trop loin de son habitat. C'est chiant. Sushi. Integrating new PDA data. Du. Saloperie de sushi. Fallait pas me chercher, fallait pas me faire chier. Et on va écouter nouveau message. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out.
Dans 40 minutes, tu te fous de ma gueule? Lieu d'atterrissage du Sunbeam. Mais je peux pas y aller. Allô? Bon, bah on reste sur la planète. Je vais pas y aller, ça va pas la tête. T'as pas vu tout ce qu'il y a sur, dans l'eau? C'est bourré de bestioles. Je me souviens, je me suis inspiré, si tu veux savoir. C'est bien parce que je suis en stream que je le fais, putain. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté le jeu. Oh la vache. C'est bon, là? J'ai assez d'inventaire? Enfin, non. Peut-être pas. On va virer ça. Il y a un truc qui vient de tomber sur mon bureau, je sais pas ce que c'est. Poisson qui m'attaque en vrai, putain. J'ai vraiment pas envie de le faire, putain. Je reste sous l'eau ou je reste au-dessus de, en dessous, au-dessus? Oh putain. On va s'avancer doucement pour l'instant. Reste au-dessus. Je vais faire que regarder. Je vais faire que regarder le chat pendant un petit moment. Le sigla il marche pas, faut le mettre sous l'eau. What? What? On va enlever le casque aussi. Ah! Il n'y a pas de Reaper sur le passage, merci. Je sais que le truc marche pas, mais j'ai pas envie de me mettre sous l'eau. Je vais récolter les arbres terrestres porteurs de fruits pour la nourrir, pour éviter les arbres. Je me rappelle aussi avoir mis des arbres dans le Cyclope. Dans le Cyclope, je me rappelle. C'était pas mal, ça. On peut toujours faire le coup des batteries qui se rechargent dans le Cyclope et utiliser les batteries qui sont rechargées, en fait, pour alimenter le Cyclope. On peut toujours faire ça. Parce que je me rappelle qu'on pouvait faire ça. C'était un peu con, dans un sens, parce que, bon... Ah! On y est presque. Et sinon, pour ceux qui ont joué avant que le jeu se sorte, le Seaglide, il le tenait pas plus profondément avant? Il était pas dessus, en fait? Enfin, pas un peu dessus, mais dessus, quoi. Parce que maintenant, il le tient devant sa gueule. Je trouve ça bizarre, non? Il droit devant. Dans le Cyclope, on pouvait installer un chargeur là, de batterie géante là, de grosses batteries. Va te faire mettre. Ça tape dans l'énergie des batteries, mais ça recharge suffisamment pour les intervertir, en fait. Et si on remettait le truc?
Oui, le FOV de a changé peut-être pour la VR, c'est possible aussi. Ouais. Deux minutes. Oh, structure. Dans les cavernes de côté, il y a des ressources, d'accord. Tu peux pas être gentil, sérieux? T'es obligé d'être une merde. T'es obligé d'être une saloperie d'extraterrestre. Ah, c'est là-bas. Ça lag ici, ou c'est... Faut vraiment que je fasse une upgrade du PC cette année, parce que ça commence à être un peu limite pour les jeux. Ou alors il est pas assez optimisé, mais... Bon, bah on attend. Ceci dit, recharger les batteries dans les cyclopes n'a pas grand intérêt, surtout avec les nouvelles batteries ioniques qui ont une bien plus grande capacité. What? Ah, je sais pas, appuie dessus. Tape. Scan. D'accord. Le mec, il va te scanner des plantes à la con, mais un objet extraterrestre comme ça, il va pas te le scanner. C'est logique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs sous l'eau, là. Il y a un truc là-bas, là. T'es censé rester dans l'eau, toi. T'es censé aussi... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un couteau. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Comment tu fais pour me voir, sérieux? We've broken atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Oh, là. Ça a l'air d'être un canon, cassez-vous. Positions everyone. Touching down in 10, 9, 8. C'est un canon. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Bah merde alors. Bah merde. Les secours ici, ici le survivant, je vous entends plus. Apparemment. Ok. Pourquoi il fait toujours nuit quand j'ai des événements qui se produisent? L'explosion de l'Aurora aussi, c'était dans la nuit.
méchant, méchant à lire.